Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons travailler tout le corps. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un poids en plus. Donc, moi, je vais avoir une medicine ball, donc un ballon de 3 kg. Vous pouvez prendre chez vous un sac rempli de livres ou des bouteilles d'eau comme vous le souhaitez. OK? Donc, n'oubliez pas toujours votre bouteille d'eau, votre serviette et puis votre motivation. C'est parti, on commence la séance avec l'échauffement. On va commencer à trottiner sur place. On va dérouiller un peu les articulations, augmenter légèrement la fréquence cardiaque. Toujours en trottinant, on rajoute des cercles de bras. Le deuxième pour le bas du corps et le troisième pour l'ensemble du corps en totalité. J'espère que vous êtes prêts. Encore. Avec les genoux. Hop. Hop, on étire l'arrière de la cuisse, on tourne le sac, les abdos. Pareil, sur les côtés, élévation latérale, jambes tendues. Les genoux.
l'autre côté. Décoller bien les talons. On peut même agiter les bras. Allez. Davantage ou bien faire du stepping sur place. Allez, rapide, rapide. Encore, encore. Serrez les abdos. Continuez sur place très rapidement. Avec les bras, aidez-vous des bras. Allez, allez. Pas besoin de monter trop haut les genoux. On se cale sur la fréquence des pas. 5, 4, 3, 2, et 1, continue. Ça va chez vous? Préparez-vous. Je vous laisse 10 secondes, un peu plus. Mettez toujours sur pause si vous souhaitez. Pour préparer votre matériel, soit un sac avec des livres. Passe au moins 3 kilos, si vous voulez plus, n'hésitez pas, ok. Continuez un peu, je vous laisse faire une pause. Comme vous souhaitez les exercices que vous allez faire. Donc le premier, on va commencer tout simplement en ayant tout le long les bras tendus. Ça sera tout simplement les élévations frontales. Pour cet exercice, je veux que vous ayez le ballon à hauteur des yeux, pas plus haut. Donc ça sera dans un second temps, d'accord, de façon à bien solliciter au niveau de l'épaule, le faisceau antérieur de l'épaule. Ok, on est parti. 40 secondes, top. Allez, soufflez bien. Gardez le dos droit, ne creusez pas le dos. Et surtout, ne vous aidez pas, ne faites pas un balancement du dos vers l'arrière. C'est vraiment ici. Ok, pas trop haut. Problème d'épaule, n'hésitez pas à prendre moins long ou à lever un peu moins haut, d'accord, ou même à faire sans le ballon, d'accord, déjà même sans, on sent vraiment bien travailler. Allez, encore 10. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. I'm over and start some conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming down over my lead. Allez, c'est parti. Hop. Même consigne que tout à l'heure, ne creusez pas le dos. Allez, on amène au-dessus de la tête. Voilà, je pense que déjà. Et vous, dites-nous dans les commentaires si vous avez tiré ou pas. Allez, on continue. Voilà. Le prochain, on va davantage au niveau des abdos.
me let's throw the kid with going out on my first day. You and me are thrifty, so go, you can eat the looking bag and fill up the plate. So for hours and hours, I'm sweet and sour, and my family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the taxi, tell the driver, make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Le bas du corps reste bien fixe. Et je vais ramener le ballon au maximum ici. Sur le côté. Une fois devant, ramener une fois en haut. Ok, je remonte ici devant, bras tendus. Je ramène, on plie et on pousse vers le haut. Allez, c'est parti. Top. Allez, serrez bien dans les pectoraux. Hop, je tends bien. Soyez solide sur les épaules aussi. Donc, pectoraux et épaules sont sollicités. Et puis, pour la stabilité, les abdominaux. Toujours. Dans tout ce qu'on fait, les abdominaux sont sollicités. Hein. Très important dans la posture. Pareil, lorsque vous poussez ici vers le haut, ne creusez pas le dos. Ok ? Encore 3. 2 et 1, on relâche. Ok, donc cette fois-ci, le même principe. On va commencer du côté droit. Vous allez avoir vos deux mains sur la balle ici, côté droit de votre hanche. Les bras sont tendus. Fléchissez un petit peu encore les genoux. Et puis, dans un mouvement, tout en rendant les bras tendus, vous allez envoyer la balle de l'autre côté. D'accord, donc faire un mouvement en diagonale. Hop. Et pour cela, donc aidez-vous de la force, certes, des épaules, mais aussi contractez bien dans les obliques. Ok? Allez, c'est parti pour 40 secondes. On reste du même côté. Comme si vous vouliez propulser le poids au plus loin possible. D'accord? Au niveau du bas du corps, donc restez immobile possible, le plus immobile que vous pouvez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Côté gauche, c'est parti. En position, n'oubliez pas de garder bien les bras. Hop. Ok, on décrit une diagonale sur le côté. Allez. Ok, super. Le premier circuit est terminé. Je vous laisse souffler 30 secondes. On enchaîne donc cette fois-ci pour le bas du corps. Bougez un peu.
même circuit sur le bas du corps. Relâchez bien le haut du corps puisqu'on va de nouveau le solliciter dans la dernière partie. Ok, pour monter le mouvement. Donc toujours avec le ballon ici. Vous allez le tenir le plus proche possible avec les deux mains toujours de votre buste, d'accord. Et puis vous allez écarter les pieds, largeur des épaules, un peu plus que largeur des épaules si vous êtes plus à l'aise. Et puis vous allez tout simplement descendre en squat. Les squats, on est habitué, on rajoute un poids supplémentaire de façon à amplifier le travail des cuisses. Ok. En position, dans 3, 2, 1, on démarre, on descend. Allez. Descendez le plus bas que vous pouvez et gardez toujours un point de contact entre le ballon et vous. Allez, on attaque ce deuxième circuit. Ça commence déjà à bouger un peu. On enchaîne avec les fentes. Donc, les fentes, on a l'habitude. Gardez toujours pour l'instant le ballon proche du corps. Ok, je me mets le profil pour que vous voyez. Donc, on va commencer les jambes droites devant. On se met en position. Et c'est parti, on descend. Allez, 40 secondes. C'est la jambe de devant qui travaille. D'accord. Si vous avez besoin d'un support, lâchez une main et tenez le support de l'autre. Attention à l'équilibre, gainez-vous. Allez. On change de côté, changez de pied. Donc, la pointe, vous pouvez vous mettre soit sur le talon de l'aiguille si vous préférez, mais moi je préfère ici avec la pointe qui est le talon pardon qui est décollé du sol. Allez. Pas. Gardez le dos droit, descendez moins bas si vous avez du mal. Ballon bien collé. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Super. C'est pas fini. On va cibler davantage l'arrière des cuisses et le pan fessier. Vous allez avoir les bras tendus, les pieds largeur du bassin, point de pied bien orienté vers l'avant. Bras tendus. Et vous allez descendre. Vous avez deux options, soit garder les jambes, le genou ici bien tendu, ou alors légèrement plié. Ça va dépendre surtout de votre souplesse. Ok? C'est parti. On va toucher. Et on remonte en poussant les fesses de l'avant. Allez. Gardez aussi le dos droit, d'accord? Lorsque vous descendez en position neutre. Allez, poussez les fesses vers l'arrière et recontractez-les volontairement. Allez, encore 5.
Dernier. Ok, relâchez un peu vos jambes. Avant dernier exercice de ce circuit, les squats sumo. Donc, les squats sumo, c'est ceux-là. Donc, vous êtes les pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin. Ok, les bras tendus. Et puis, vous allez venir faire toucher la balle ici. Tout en gardant, bien sûr, le dos le maximum droit que vous pouvez. Ok, et non pas se courber comme ceci vers l'avant. C'est parti. 3, 2, 1. On descend. Allez. Les bras ne ramènent pas sur la montée. D'accord ? On reste les bras tendus. Allez. Sur la pointe des pieds. Hop. Hop. Rien, je vous explique bien l'exercice avant et ensuite on le fait ensemble. Ok, on reprend ici le ballon et cette fois-ci on va refaire les squats, mais on va rajouter ici l'extension au niveau des bras sur la descente. Ok, je vous montre, vous êtes ici, donc n'oubliez pas la position de base du squat, vous allez les pieds légèrement écartés, soit dans le bassin, soit un peu plus. Les fesses sur la montée, vous allez ramener les bras ici. Ok, donc on descend, bras tendus et on ramène. Ok, on descend, hop, et on ramène. Ok, de façon à solliciter davantage au niveau des épaules, des pectoraux en tendant les bras. Ok, en position, c'est parti. Ok, relâchez. Donc vous voyez, à partir du moment où vous sollicitez tous les muscles du corps, l'effort devient un peu plus intense. Soufflez, on vous montre le prochain exercice, on reprend avec les fentes et on rajoute une rotation du buste. D'accord ? On alterne pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Les droits en avant, fente. Ok.
et on vient ici tourner du même côté. Ok, je remonte ici, on avance, on baisse et on tourne le ballon du côté de la jambe qui est devant. D'accord, on tourne, on ramène, on pousse cette jambe là et de l'autre côté pareil. Allez, c'est parti, go. Encore 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, souffle, si vous ressentez le besoin. Ok, pareil, toujours le bas et le haut du corps pour être sollicité sur ce troisième mouvement. Vous allez tout simplement déposer d'abord du côté droit votre ballon, vous le déposez, et puis vous allez effectuer un squat, l'attraper des deux mains et l'emmener de l'autre côté. D'accord ? Et on redépose de ce côté-ci, on se relève. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Et on redépose toujours de l'autre côté. Et on se redresse d'abord avant de reprendre à nouveau. Ok ? En position 3, 2, 1. Et c'est parti. On descend, pliez bien les genoux. On envoie le ballon ici. On redépose. On se redresse pour reprendre à nouveau l'envoyer de l'autre côté. Allez. Allez, pas besoin de faire vite. L'important, c'est de faire le bon mouvement et de ne pas se faire mal sur tout. Encore 10. Allez. Ok. On va cette fois-ci se mettre légèrement les deux mains au sol avec la medicine ball au milieu des mains. D'accord ? L'objectif, ça va être, on sera en planche et à chaque fois avec une main, tout en gardant un appui au sol, on vient toucher le ballon au milieu. Ok ? En position. Gardez bien votre planche. C'est parti dans 2, 1, go. Hop, 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 hop. Gardez bien l'épaule qui est au sol, bien solide. Hein. Les mains en dessous des épaules. Les fesses bien solides. En 5. Ok, on relâche. On se remet debout. Il nous reste deux exercices. On va reprendre la position du squat sumo. Les pieds bien vers l'extérieur ici. On va faire comme tout à l'heure, faire toucher ici. Et sur la montée, on va élever les bras au sol. Et au sol. Et levez le bras au-dessus de la tête, pardon. Ça fatigue, vous voyez ? Même pour moi. Ok, et on ramène. Toujours garder les bras tendus sur la montée, d'accord ? Je ne veux pas voir ça. Hop ! Je ramène ici et ensuite j'explose, d'accord ? Ça, ce sera pour le dernier exercice. Gardez bien tout le long. Le bras tendu. Les bras tendus. Allez ! Allez, 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 les épaules sont sollicitées.
attendu, c'est important. Allez, encore 10 secondes. C'est bien. Le dernier. Ok, super. Il nous reste à gagner l'exercice. Reprends la balle. Cette fois-ci, on la tient. Ici. En position squat, toujours. On va descendre. Tout en gardant le ballon proche de la poitrine. Et sur la remontée, vous allez tendre les bras. D'accord ? Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement mettre une impulsion dans la balle. D'accord ? C'est selon votre choix. Hop ! Hop ! Et on reprend. Ok ? Allez ! On démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti ! Hop ! Allez ! Ralentissez le choc du ballon en réfléchissant au niveau du genou. Mesdames et messieurs, pour moi, la séance s'arrête ici. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt en physique, dans les salles de sport de Mutaform. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.